La vraie aventure humaine, elle se situe au cœur même de notre ressenti. Ça, la véritable aventure, c'est peut-être la dernière seule aventure humaine, et ça te prenne parler dans ce sens, mais c'est véritablement une aventure digne des meilleurs romans, parce que cet élan de vérité va à l'encontre de tout ce qui n'est pas naturel, de tout ce qui est conditionné, de tout ce qui est faux, de tout le passé. Et c'est vraiment un mouvement qui s'oppose à cette aspiration de vérité. C'est l'image connue du saumon qui doit faire des efforts avec des grands coups de reins et de queue pour pouvoir remonter les rapides pour aller frayer à la source. Le courant l'emmène. Il l'emmène vers le monde, vers l'existence, vers les plaisirs, vers les désirs, vers les espoirs, vers les attentes, vers les rêves, vers l'imaginaire. Ça, c'est le courant du monde, le courant de l'existence. Et on doit littéralement remonter ce courant, mu de l'intention claire et ferme de réaliser ce qui est vrai, pour pouvoir passer les rapides et retourner à la source. Cette vision du rêve qui est illusoire, pour toi, elle est venue petit à petit, et puis de plus en plus, de façon évidente, elle s'est imposée. Elle s'est imposée à sa façon, à elle. Donc, simplement, ce que je peux te dire, c'est qu'au début, il y a eu un lâcher-prise, un constat. Un lâcher-prise qui n'était pas un petit lâcher-prise comme « je vais lâcher prise d'être une brune pour devenir une blonde ». Non. C'était fondamental. Donc, il y a eu un lâcher prise de vouloir contrôler. Un lâcher prise de vouloir arriver à un but. Et de ce lâcher prise-là, je me suis retrouvée assise à l'intérieur de moi sur un petit banc à regarder comment je fonctionnais. Et j'ai vu le rêve. Le bon chemin, c'est, je vais oser dire ce mot-là, c'est, je vous assure, la jouissance totale. Et le mental, je t'assure, il aime, mais il aime se reposer et se laisser glisser avec toi. Et en plus, tu peux l'utiliser, c'est toi qui es décidant, pour ce qu'elle a été conçue pour faire, comme apprendre les langues, faire des calculs de comptable. Le mental, il a son job. C'est pas de nous faire décider où est notre voie spirituelle. C'est pas ça son job. Il n'a pas été conçu pour ça. On veut changer la vie, le cours de la vie, on veut rendre quelque chose de plus fluide, on veut rendre quelqu'un plus comme ci, plus comme ça, notre travail plus comme ci, plus comme ça, mais on a oublié de voir que tout dépendait de comment on s'est levé le matin, dans mon exemple. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose en amont de tout ce qu'on essaye de faire. C'est pour ça d'ailleurs que tout ce qu'on essaye de faire ne marche pas vraiment. Et on se dit, mais il y a bien une autre façon de faire, on a essayé tout, on est des gens très intelligents. Et pourtant, on n'arrive pas à trouver le problème parce qu'on n'en trouve pas la cause. Mais quand on rentre dans la spiritualité, on commence à s'apercevoir que c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. C'est en nous. Alors on commence à comprendre toutes les belles phrases, le bonheur commence par toi,
Pour aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même, etc. etc. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde, mais tout le monde sait ça, quoi. Mais après, il faut le mettre en pratique, ou je dirais plutôt même oser le mettre en pratique, c'est là où vient la responsabilité. It's very important, I think, that people understand that freedom is so accessible. It's for everyone, not just a few. C'est très important pour que tout le monde comprenne que la liberté est accessible à tous et non pas simplement à quelques personnes. Anyone with an open mind can question what they're believing. Toute personne qui a l'esprit ouvert peut remettre en question ce qu'il croit. And when we question what we believe, we see life, reality so clearly. Et quand on remet en question ce qu'on croit, on voit la vie et la réalité très clairement. And again, it's not just for a few, it's for everyone. Anyone with an open mind. Et une fois de plus, ce n'est pas le privilège de certaines personnes, mais c'est vraiment pour toute personne qui a l'esprit ouvert. Tout ce dont vous avez besoin, ça va vous être donné au moment où vous arrêtez de demander ce dont vous n'avez pas besoin. Au moment, redites, parce que c'est vraiment intéressant. Tout ce dont vous avez besoin dans votre vie, ça vous est donné quand vous arrêtez de demander ce dont vous n'avez pas besoin. Autrement dit, quand l'inutile tombe, s'effondre. Il reste quoi? Il reste ce qui est vrai. Et là, vous vous mettez à vivre en résonance avec ce qui est vrai. Votre vie est un déploiement de vérité. Et là, au lieu de rencontrer les autres pour remplir un trou qui est sans fond, hein, aimez-moi, comprenez-moi, respectez-moi, c'est le contraire. Vous rencontrez les autres à partir d'un trop-plein qui déborde. Que vous ne pouvez même pas empêcher de déborder, ça vous sort par les yeux, par les oreilles, par les mains. Et ça change tout dans les relations. Hein? Ça change tout dans la vie. Vous arrêtez de vous plaindre. Vous remerciez, c'est tout ce qui reste à faire, remercier. Si ce que je veux vraiment, c'est la paix que je ne peux ni comprendre, ni attraper, ni marchander, ni enfermer dans une mémoire, je ne peux rien faire de cette paix, je peux juste l'être. Ça change totalement ma façon d'approcher d'abord les questions, les réponses, mais même d'approcher la vie. Avant d'être Nathalie, je suis. Avant d'être Laurent, d'ailleurs je dis, je suis Laurent. Je suis Isabelle. Je suis Rodolphe, je suis Daniel, je suis le président de la République, je suis le bouffon du roi, je suis jardinier, je suis un pauvre petit, je suis une grande malheureuse. Le point commun, le dénominateur commun de toutes ces expériences s'appelle « je suis ». Eh bien, l'invitation, c'est de se demander « est-ce que je sais vraiment qui je suis ?» Qu'est-ce que je suis ? Et la première étape, qui est l'étape la plus importante, c'est s'apercevoir que non, je ne sais pas.
Je croyais que je savais. C'est pas dans les situations qu'il y a un souci, qu'il y aura un quelconque souci. Voilà. C'est la... C'est l'enfermement dans une bulle qu'on n'est pas. Et tout est complexe, tout est paradoxal à ce moment-là. Tout, mais tout. Et ça peut éclater à n'importe quel moment, ça. Ça peut éclater tout de suite, maintenant. Maintenant. Ce qu'on est, on l'est maintenant. C'est... Hein, autrefois, on a parlé de l'éternité et de la vie éternelle. Mais si ce n'est pas maintenant la vie éternelle, quelle sorte d'éternité? On y est, là, dans l'éternité. On y est. L'éternité est en nous. On est l'espace dans lequel tout ça arrive. C'est la même lumière consciente qui se regarde à travers deux paires d'yeux. Ce n'est pas deux semblables, c'est la même. C'est la même. On n'a absolument rien de tout ce qu'on a cru être jusqu'à maintenant. Rien. Rien. On n'est pas quelque part. On a l'impression d'être assis sur une chaise, dans une pièce, dans une ville, dans un pays, sur une planète, dans l'univers. On n'est pas quelque part. Regardez le rêveur. Par rapport à l'espace de son rêve, il est pas quelque part. Si vous pouvez juste voir ça, que vous n'êtes pas à quelque part, il n'y a plus rien à dire. Tout éclate. Tout le faux éclate. Ça peut être terrorisant pour celui qui s'accroche encore de voir qu'on n'est pas quelque part.